attractif, il faut s'intéresser aux sciences, et puis surtout il faut, je pense, être un joueur d'équipe et s'entendre avec ses coéquipiers. Over. Bonjour Maxime, écoute, je me suis préparé pendant 7 ans, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai appris le russe, j'ai appris par cœur la station spatiale, j'ai appris à piloter un vaisseau spatial, et ça a duré très longtemps, mais le jeu en vaut la chandelle. Over. Décollage, c'est une accélération qui écrase un peu dans le siège, beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit, mais aussi beaucoup de bonheur parce que c'était l'aboutissement d'énormément de travail. Over. Bonjour Alicia, les principales missions, écoute, c'est de faire de la recherche scientifique. On essaie d'utiliser les propriétés de l'environnement spatial pour faire des découvertes qui ne sont pas possibles de faire sur Terre. Over. Écoute, c'est à peu près 50% du temps, on va faire de la maintenance, de l'entretien, de la logistique pour faire marcher la station spatiale et assurer notre vie à bord tout simplement. Et le reste des 50% du temps, un peu plus, on fait de la recherche scientifique, on travaille sur des expériences. De temps en temps, il y a des choses un peu particulières, il faut qu'on pilote notre Soyouz, il faut qu'on sorte en scaphandre, mais ça c'est une fois de temps en temps seulement. Over. On est toujours accroché à la station spatiale pour ne pas dériver et partir comme ça dans l'espace sans espoir de retour. On a aussi beaucoup d'oxygène dans notre sac à dos pour pouvoir respirer. Et puis on parle à la radio et puis surtout on est toujours deux pour se surveiller l'un l'autre. Over. Bonjour Lucie, les loisirs et les sports. Écoute, les sports, on a un tapis roulant, on a un vélo, on a une machine de musculation et pour les loisirs, on peut prendre des photos, on peut par exemple parler à la radio avec des gens comme vous, c'est ça, c'est toujours très sympa. Over. Bonjour Stéphane, j'ai emmené quelques objets symboliques pour moi, ma ceinture de judo, des photos de mes proches, et puis des objets un petit peu pratiques pour faire en sorte que la vie soit plus sympa, des cadeaux de Noël, un peu de nourriture française, etc. Over. Les aspects qui me manquent le plus, c'est tout ce qui est sport de plein air en fait. Pouvoir aller se balader, aller en montagne, en forêt, faire du vélo, c'est ça qui me manque le plus. Over. Piloter un vaisseau, c'est aussi ma passion parce que moi j'étais pilote avant et puis découvrir une vie extraterrestre, ce serait génial parce qu'on est tous un peu des explorateurs. Ce qu'on fait, c'est de la recherche, mais c'est aussi préparer l'exploration du futur. Over. Bonjour Kylian, on est 6 à bord de l'ISS, américain, russe, français, et non, c'est pas difficile de s'entendre parce qu'on a été sélectionné comme des joueurs d'équipe et parce qu'on s'est entraîné ensemble très longtemps, donc on se connaît bien. Over. Dans ma cabine, on a une toute petite cabine dans laquelle on dort, et bien, je peux appeler ma famille au téléphone, je peux regarder un DVD ou lire un livre, et il y a parfois des moments où je peux être seul, mais c'est pas souvent. Over. Bonjour, c'est Louis, on a fêté Noël, on a un mini sapin de Noël, on s'est fait quelques cadeaux, c'était très sympa, on va aussi fêter le jour de l'an. Over. Non, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. Comme tu l'as dit, on a été très préparés. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est à quel point c'est naturel de voler, d'être en apesanteur toute la journée. Une fois qu'on s'y est un tout petit peu habitué, je ne pensais pas que c'était aussi sympa. Over. Le tapis roulant qui nous permet de marcher comme sur Terre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de la course tous les jours pour garder les muscles en bon état et de la musculation. Over.
sont un petit peu bizarres, on a tous les organes dans le corps qui flottent un peu, on a l'impression d'être un tout petit peu malade, mais ça dure pas très longtemps, ça dure quelques heures, et après ça devient très naturel, over. J'en ai déjà mené 35 en tout, et oui, il y a des domaines médicaux, neurologie, études des muscles, études des os, des choses comme ça, over. Oui, j'ai d'autres rêves, j'espère faire de la montagne, et pourquoi pas gravir beaucoup de sommets très hauts sur Terre, ça ce serait mon rêve après la mission, over. Je pense que j'aurai envie de repartir dans l'espace très vite, over.